إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons par aujourd'hui, chers frères, par nous guide Allah subhanahu wa taala copie de nous de sourate Rum. ومن آياته parmi ses signes. Parmi les signes que Allah existe, et de ce sourat-là, Allah subhanahu wa ta'ala cite beaucoup. Il y a quelque chose qui amène nous à réfléchir. Pour ça, convaincre nous, il y a un seul Allah. Et un parmi les signes qui amène nous à réfléchir, quand il dit nous, Ikhtilafi al-sinatikum. Wa alwanikum. Ikhtilaf veut dire différence. Al-sinatikum, lisan, ce pluriel, veut dire la langue, littéralement, mais ici, il peut référer à langage qui nous est. Wa alwanikum, et je te coule la peau. Alors, je nous permets de dire si. Les films mettent combien de langages dans la terre? Quand nous avons compris ce signe, frère, imaginez-nous, et nous Adam alayhi salam avec son madame dans la terre. Des gens. Vous avez des enfants, qui langage vous avez avec vos enfants? Langage qui vous connaissez? Bans enfants là qui langage pour apprendre ça qui je tends dit continue ça même à la fin nous tous disons qu'on a un seul langage mais comment est-ce que ce langage là jamais nous pose question mais qu'est-ce que c'est le premier qui nous amène à l'autre langage là l'os parce que vous connaissez pour amener un langage. Ce n'est pas quelques mots là. C'est dans n'importe quelle situation qui arrive à une personne, il est capable d'exprimer en servant un mot compréhensible de la personne qui lui peut adresser. Ou bien, il y a comment longtemps nous peux pas dîner, nous disons nous cause Madame Siri. Allez, pas fait non, bénéfice du doute. Troisième la côte sortie à l'os. Quatrième la côte sortie. Écoutez combien de langages il y a dans le monde? Il y a environ 1400 langages. 1400. Zis dans l'aine. Zis dans l'aine. Ben, à cause plus qu'ils sont langages. Côte sortie tout ça là. C'est là qu'il amène ça à mot là à l'os. Et qu'on peut dire où langage là? Ben, a causé entre eux et chacun comprend un à l'autre. Et un pays. Même habitant. Mais seulement un là qui saute dans le nord, un là qui saute dans le sud. Je te cause des langages différents. Je te bizarre un langage qui joue un des. Si pas cause anglais ou bien cause arabe, les autres qui communiquent. Je dans le même pays. Je pas qu'à servir ce langage. Comment nous dire maternel, parce qu'il est différent. Je dans le même pays seulement. 1400 ans de cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, wa min ayatihi, parmi ce 26. Parce qu'il demande la case, comme on peut causer avec nos enfants, il est pour répondre, il est pour cause, ce qu'il est à moins dire. De même, on peut attendre de mon descendant pour quelqu'un qui cause espagnol. Sans qu'il y apprenne, lui.
même il a l'apprendre ni mais ça dit monde qui paye en saint ça là il besoin d'apprendre ça oui non mais qui les tu arrives un beau jour ça va dans grâce commence un coup comme ça oui non c'est ça qui a l'ingénieux frère. De tout ce langage là l'histoire arabe langage arabe pour les descendre sur le Coran. Qui vous dit que la Coran est arabe? De tout ça, l'angle-là. L'on choisit un langage arabe pour descendre sur le Coran. Vous pensez à Nazo, ça fait? Ou bien sa robe-là, il connaît quand il crée nous. Langage plus facile, plus profitable pour un monde comprendre qui est le créateur ou les diali, c'est en servant langage arabe. Nous-mêmes, parfois, la case que nous causons, nous pas dire, je ne peux pas créole, toi, tu ne peux pas comprendre. Mais après, créole, qui tu as envie de causer de la case? Tu as autre langage, tu causes de la case. Mais seulement, je peux faire comprendre qui me peut servir langage qui est plus facile pour nous dire là. Pour moi, je cause pour toi, tu comprends. Ça, je peux comprendre. Ça qui nous a dit là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire nous, amène un guide, l'eau, la terre, et amène qui langage comme communication entre nous deux? Langage arabe. Veut dire n'importe qui nationalité qui vous était, qui vous causez où? Comprend arabe, les tiennent parmi mes bonnes priorités, parce qu'ils me connaissent la communication qui est entre mon créateur. Malgré qu'il a de nous la tête perception qui nous est là, mais arabe difficile. Si arabe difficile, vous pensez Allah tu peux choisir langue arabe? Vous pensez ça? Ça nous met à port, nous résonnons ce sujet. Une parmi bonne raison, une parmi bonne raison, chers frères, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre le Coran dans la langue arabe, c'est qui ban mot capable d'écrire pareil dans le langage arabe ou bien 5, 6, 7, 8 mots dans le langage Shakespeare, dans le langage Molière, pour dire ça un mot là. Dans le langage anglais, dans le langage français, pour être capable de dire le mot robe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dis ça robe, délit. Ou bien 7 à 8 mots français, 7 à 8 mots anglais, pour expliquer juste ce mot-là. Qui veut dire le mot robe? Nous allons guetter ces premières qualités qui Allah fait nous concernant, connaît concernant lui, quand il dit nous, Alhamdulillah, tout est louange pour Allah. Mais qui fait? Lui-même, Rabbul Alamin. Mais robe-là, c'est quoi? Robe-là, c'est celui qui nous crée. Mais dire le mot créateur rentre là-dedans. Là. Ben, comment on se mettait là-bas? The Creator, créateur. Le fait qu'il est fini créé, ben, sous son contrôle, oui non. Le fait qu'il est sous son contrôle, il a la capacité, oui non. Le fait qu'il ait la capacité et il contrôle tout ça là sans besoin personne, il est indépendant, sa robe là, oui non. Le fait qu'il lui-même crée tout ça là et tout dépend de lui, c'est lui-même qui est capable de donner quelque chose, oui non. C'est lui-même qui est capable de priver quelque chose. C'est lui-même qui donne la vie. C'est lui-même qui. Vous commencez à descendre, même vous venez là. Chers frères qui nous causent là, nous causons juste le mot robe. Juste le mot robe. Ça qui veut dire robe. C'est pour ça, attribut Allah qui mentionne plus beaucoup de Coran, c'est le mot robe. Ça mentionne plus beaucoup de Coran. C'est pour ça, dans chaque posture de nos namaz, obligé de mentionner le mot robe. Quand nous pédé bout, dans ce qu'il faut dire, nous avons le recours, Subhana, Rabbi. Je me lève, Rabbana, voilà kalham. Moi, dans le sisda, Rabbi, Subhana, Rabbi, Al-Arla. En deux sisda, Rabbi. Dans tout posture, nous avons dans le mot Rabbi. Juste pour me comprendre, langage arabe qui garde les yeux pauvres devant lui. Qui fait nous dire tout ça là? Pour arriver à un moment,
Vraiment, nous comprenons ça qu'on a, chers frères, jour en jour, il vient jeune. Jour en jour, il vient jeune. Parce que au fini de lire le Coran, aurait découvert encore quelque chose. Ça. Parce que ça va un mot qui mentionne là, aujourd'hui, il y a une signification là, demain, il y a une signification là. Chaque mot est dans son importance, qui fait une mention là, pas de mention dans l'autre mot. Si le Coran comme ça, sans aucun doute, hadith aussi pour comme ça. Qui fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause, excepté ce qui Allah subhanahu wa ta'ala dit. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam se parole comme ça, sans aucun doute, ben doua qui dit enseigne nous pour comme ça. Et un de ces doua là, c'est doua qui est avec nous, donne un zanaza pour un enfant. Qui bout qui vient après? Après avoir qui comme introduction nous dit Allahumma ja'al rufaratan wa dhukran li walidayhi wa shafi'an mujaba. Wallah, fait lui venir comme un prédécesseur, un ascète pour ses parents, et fait lui venir quelqu'un qui se chafara est accepté. Deuxième partie qui nous fait doua pour ses enfants là, veut dire il retourne aux parents. Allahumma, wallah, thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma. Dès qu'il chose. Allahumma wallah. Thaqil. Thaqil veut dire lourd. Thaqil, c'est lourd. Je vais dire avec Allah même parce que nous commençons plus. Allahumma. Thaqil, c'est lourd. Qu'est-ce que tu fais avec nous? Mawazinahuma. Mizan veut dire balance. Les vins au pluriel, parce qu'il y a balance de bonne action, balance de mauvaise action, et il y a deux personnes qui peuvent causer. Elle m'amène papa. Les vins au pluriel. Ou Allah fait une balance, vin lourd. Qui balance nous peut causer là? Balance de bonne action. Nous arrêtons la même master. Comme mes enfants, ils mourent. Un seul enfant, il mourra là. Mais seulement, li Allah subhanahu wa ta'ala, li en a capacité, quand li met une action qu'ils enfants, Adam il fait, le so balance, li pas nécessairement pèse même poids qu'il nous peut penser, veut dire un point. Nous explique li. Une fois de Madina, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu peut monter le pied. Ce tibia al paraît, ce tibia. Ben les autres sahaba qui étaient là, les autres riaient. Qui fait? Si tant les timig. Si tant les timig. Les autres riaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve les autres. Il dit les autres. Walladhi nafsi biyadi. Pas celui qui m'a nafs de son lame. La rijloun. Abdallah. Rijloun wahid. Un seul lipir Abdallah. Azqalu min uhudin yom al qiyama. Pèse plus lourd qui montagne uhud yom al qiyama. Un lipir, frère. Il dit un seul lipir. Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Dans balance. Jour qiyama. Pèse plus lourd qui montagne uhud. Connais montagne uhud? Si nous guettons signon, mal, nous avons 7 à 8 signons. Pour faire un uhud. Qui pèse plus lourd que ça là? Un seul lipier, frère. Pas encore sur la zam, pas encore sur l'école. Hein? Juste pour nous comprendre dans sa balance là, nous ne pouvons pas dire à ces enfants une mot, nous pouvons mettre l'eau là. Nous mettons les pieds dans une balance. Qu'est-ce que tu veux dire? Les pieds. Est-ce qu'il va attendre les pieds chapeau là seulement? Ça qui nous peut dire avec Allah, oh Allah, thaqqil mawazinahuma. Fais sa balance là, même un seul enfant, un mot. Mazin Abdullah ibn Mas'ud sur les pieds. Un seul des pieds. Please, please look you hood. Oh Allah, fais la balance avec nous alors. À travers un seul enfant, bien. À travers un seul enfant. Ensuite, nous dire. Wa a'zim ujurahuma. A'zim. Ujur, le pluriel de hajj qui veut dire récompense.
Donc, il mettait ses enfants, il multipliait pour aller oui non. Quelle différence il y a entre balance avec récompense, à se dire? Balance, c'est ce qui n'amène plus beaucoup là. Végétal n'a plus beaucoup de bonnes actions. Basant l'eau, ça va bonne action là pour récompense, toi, à se dire. Mais oh Allah, pas récompense, lui, N pour 500, N pour 7. Récompense, lui, Arvim. Veut dire pas le chiffre, pas faire l'ivine beaucoup, mais faire l'ivine grand, qui avec une seule récompense, il suffit de gagner Natalos. Ravim qui veut dire grand, je vous explique, Alhamdoulilah. Ravim, c'est pas grand pas grandir ça. C'est grand pas qualité qui y est. Pas qualité qui y est. Imagine l'exemple qui nous y prend, nous trouvons la case bien jolie, nous disons ça, un grand contracteur qui nous fait ça. C'est moi. Basant le travail qu'il fait, nous disons se grandir. Ici, nous veut dire, oh Allah, sacre récompense sa parent là. Arvim ou du rahouma. Veut dire faire récompense là, vin, pas faire vin beaucoup. En seul même, faire lui suffit comme récompense, qui se gagne une note. Qui plus joli de voir que ça veut. Qui dit mon nain, puis dit là, un enfant. Qui nous peut faire nous? Nous nous pouvons causer, nous disons que c'est un sacré lit, hein? Et t'as des enfants pour l'y aller. Qu'est-ce qu'on a besoin de sacré que ça dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'on a besoin de sacré que ça là? Chers frères, il ne faut pas oublier. Allah n'est pas injuste. Pas oublier ça, amis. N'importe qui ça a de difficultés, n'importe qui qui est malade, n'importe qui qui est mort. Juste imaginez quelque chose. Allah n'est pas injuste. Pas nécessaire, il ne peut pas punir. Non! Et nous tout nous du bien dans n'importe qui situation qui nous était à cela là. À cela, cela, cela. Situation qui nous était là, connaît nous du bien là-dedans. Pas plein nous sauve. Nous terminons par parole. Roman Rali Allah, nous peut dire. Parce qu'il va nous dire demain, un enfant mort, ou bien n'importe qui situation difficile, je dis tiens, qu'est-ce qui n'arrive aujourd'hui? Une minute. Roman Rali Allah, nous dit, nous, chers frères, si Allah subhanahu wa ta'ala ti de nous la possibilité pour écrire nos destins, pour choisir nos destins, nous tu pour choisir ça qui nous peut vivre aujourd'hui là. Si Allah ti de nous permission pour choisir nos destins, connais qui destin nous choisirait ça qui nous peut vivre aujourd'hui là. Mais c'est moi Allah déjà connaît ça. Veut dire qui garde ça qui nous était aujourd'hui là là, ça même qui tu vienne pour pas tu cas sans rien là-dedans. Ne pas tu cas pas sans, sans rien là-dedans. Et Inch'Allah, vendredi, nous continuons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.